quelqu'un pour discuter de tout ce qui est la création du marais, sa gestion, son histoire, toute la faune, la flore, quoi, toutes les questions que vous voudrez bien poser. Et puis après, on viendra tranquillement. Donc. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas.
2000 hectares. Qui vont être très rectilignes. On va être vraiment sur une construction où on voit qu'il y a la main de l'homme. Ici, on va avoir des canaux, on a eu une marée et on l'a aménagé entre guillemets. C'est cette ancienne forêt, qu'on appelle la tourbe. Cette ancienne forêt là, qui est la tourbe, donc une terre qui est pleine de petits brindilles, de petits bouts de bois. Ça servait pour se chauffer. Donc effectivement, là, sur certains endroits, pendant la période sèche, on allait creuser des canettes. Alors elle va aussi avoir créé du méthane. Un gaz qui va se créer pendant la formation de la tourbe. Ici, on ne peut plus enflammer le gaz. Il n'est plus assez puissant. Alors, il y a très longtemps, oui, mais le méthane qu'on a sous les pieds, il date de s'il y a 6000 ans. Plus de végétation. Par contre, si jamais on passe ce petit rideau d'arbres, on va se retrouver avec le même paysage qu'on va avoir de l'autre côté. Donc, au niveau des arbres, on va avoir quelques ormes, on va avoir beaucoup de saules. Donc les saules, c'est les arbres qui font que des boules et qui ont tendance à tourner au rond. Les saules communs. Si les saules arbres regardent sous l'eau, on a l'impression qu'on est vraiment sur de la terre ferme. Quand on va regarder au niveau de l'eau, on va s'apercevoir en fait que c'est vraiment, nous on appelle ça des yoches. Donc le vrai nom scientifique c'est du carex. Moi chez nous on en a tout ça, on appelle ça des rouches. Des rouches ? Ah oui, d'accord. Des yoches. Vous êtes là ? Des joueurs. Les carex, il a une particularité. Quand l'eau va monter, ses racines vont s'étendre pour qu'il puisse rester au niveau de l'eau. Un cormoran, c'est pas un oiseau du marais, c'est un oiseau de mer. Voilà. Non, au bout d'un moment, elle se décroche et elle dérive. Là, on commence à en réavoir.
population par rapport aux ragondins, c'est minime. Bravo les braves alors. Il manque toujours du pâté de ragondin. Alors, c'est fort, mais c'est pas spécialement mauvais. Moi, ça me fait penser un peu à de la terrine de lièvre. Sachant que les ragondins sont herbivores. Avant, on en faisait des vêtements aussi, on utilisait la peau. C'est le cas aujourd'hui. Quand on va avoir trop de ragondins, on va organiser des battues. Donc la dernière, c'était il y a 2 ans. Enfin, sur l'intérieur du marais. Il y a 2 ans, et ils ont pris 1,8 tonne de ragondins. Sur 22 000 hectares, on va avoir 15 000 hectares en bord de marais. Thank you.
l'heure, mais on a deux grandes réserves en plein milieu du marais. Il n'y a pas le commentaire thermique où on évite d'aller quand on n'a rien à faire. Donc, la plupart des animaux, entre guillemets, non sédentaires, qui sont pas originaires du marais, vont rester plus vers ces zones-là. Et après, si on a pas mal de vent, donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de buzzards, que eux, le vent ne va pas trop les déranger. Alors, on va bien rester assis, de bien rentrer les mains à l'intérieur du bateau pour l'arrivée.